Les gars, si on a certains d'entre vous qui cherchent un boulot en tant que commercial dans tout ce qui est bâtiment, panneaux solaires, équipement, tout ça, et qui ont de l'expérience, qui sont dynamiques, qui sont chauds pour travailler, il y a la société Géco Rénov qui recherche, c'est là. De toute façon, je vous apprends rien dans la vie. La clé de la réussite, c'est clairement la persévérance. C'est votre façon de parler, de dialoguer avec vos clients. Forcément, vous êtes commerciaux, donc vous êtes au téléphone, en ligne. Parfois, moi, j'ai des entreprises qui m'appellent et il y en a certains, tout de suite, je dis « ça ne m'intéresse pas, je raccroche ». Et d'autres, parce qu'ils sont tellement dynamiques et ils mettent la pêche, j'ai envie d'écouter ce qu'ils ont à me proposer. Donc, c'est exactement la personne qu'il faut être. Chaque jour, n'oubliez pas, vous êtes une meilleure version de vous-même. Surtout, ne vous laissez pas abattre par les échecs dans la vie. Je suis persuadée que voilà, là, ils sont vraiment à la recherche de plein de commerciaux. Donc, si tu as l'envie, si tu as la niaque, si tu as le dynamisme, si tu sais de quoi tu parles et si tu sais convaincre le client, et j'aurais même envie de vous dire, même si tu n'as jamais travaillé dans ce milieu-là, mais que tu es sûr que tu as une élocution de ouf et tu es sûr que, vas-y, tu peux être un bon commerciaux, alors vas-y, tente ta chance. C'est là. C'est là, il y a du taf. Allez-y, foncez, crois en toi. Géco Rénov est une société qui est là depuis de plus de 10 ans. Donc forcément, ils sont très bien implantés, ils ont de très grosses équipes. Voilà, eux, tout ce qu'ils demandent, c'est vraiment des bosseurs, parce que malheureusement, on va pas se mentir, notre génération, c'est de plus en plus compliqué comparé à l'époque de nos parents et encore plus de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, je fais pas du mindset, ça c'est Laurent qui est là pour ça, mais je vis avec mon mari, donc je suis dans ça aussi également, et forcément, on se complète, sinon on serait pas ensemble. Nous, on croit que dans la vie, tout est possible. C'est-à-dire que même si t'as un taf, tu peux quand même être un commercial en plus. Même si t'as deux tafs, tu peux quand même tenter. Et même si t'as jamais travaillé dans ça, tu peux quand même tenter. Et même si t'es le meilleur dans ça, mais que t'as pas de poste et que tu déprimes parce que tu dis « je trouve pas de travail », vas-y quand même, recommence, re-essaye le lendemain. La persévérance, les amis, c'est ça qui portera toujours ses fruits dans la vie. Aujourd'hui, je vous propose de postuler pour du taf et en espérant que plein de personnes... La JLC Family a déclaré avoir besoin de minimum 35 000 euros par mois pour vivre décemment avec sa famille. En effet, l'influenceuse et l'ex-candidate de télé-réalité a choqué les internautes en s'expliquant sur son très gros train de vie et ses besoins en termes d'argent. Selon elle, vivre... Bon, c'est vrai que ça fait plusieurs jours que je me suis pas exprimée sur ce sujet, apparemment le choc thermique que ça aurait mis sur les réseaux sociaux quand je vous ai expliqué combien il me fallait par mois pour payer mes factures. Bon, déjà, je comprends pas, parce que moi, comme je vois rien, je me dis c'est soit moi qui ne vois rien sur les réseaux, soit bon, dans le moindre truc, on en fait une montagne, mais j'ai pu avoir recours qu'on en parle dans l'émission, vous savez, l'émission qui vive à parler de nous, mais qui nous supporte pas, tout ça, tout ça. Et là, je vois des vidéos et tout, donc du coup, je voudrais en fait faire une clarification avec vous. Moi, j'ai du mal à saisir ce que vous attendez en fait de célébrités, de ce que vous attendez, de ce qu'on dise. Parce qu'en fait, quand on est honnête et sincère avec vous, on est critiqué. Et quand on est menteur ou qu'on ne dit pas les choses, nous sommes des mythos. Donc, il faudrait vraiment essayer de nous aider. Qu'est-ce que vous voulez, les mensonges ou la vérité ? Donc effectivement, le sujet revient toujours sur table par rapport à la France. Ils ont quitté la France, ils ont quitté la France. Il faudrait quand même passer à autre chose parce que ça fait quand même 6 ans qu'on vit à l'étranger. J'aimerais quand même rappeler encore une fois, parce que ça parle beaucoup de mon mari aussi, même sur TPMP. Laurent n'a même pas la nationalité française. Donc Laurent, par exemple, ne doit absolument rien à la France. Mais ça, je l'ai répété maintes et de fois et ça devient un peu saoulant. Laurent est portugais. De nationalité portugaise, ses parents aussi n'ont absolument pas de papier français. Laurent n'a jamais eu un passeport français de sa vie. Vous pouvez vous renseigner auprès d'un copain flic, de n'importe qui. Laurent n'est pas français, déjà, premier point. Deuxièmement, moi par contre, oui, je ne suis pas française, mais j'ai la nationalité française, ça c'est vrai, mais je me suis exilée il y a 6 ans à Dubaï, ok? Donc, maintenant, mettons les choses dans l'ordre. En vrai, si vous voulez que je vous parle sincèrement encore une fois et cru, ça peut vous choquer, mais je serai plus riche en France. Je sais que c'est marrant à dire, hein, c'est un peu bizarre et tout, mais c'est vrai. Donc en France, comme vous le savez, on a une villa à Cannes. On paye ce qu'on a à payer en France à ce sujet-là. Mais sinon, je serai plus riche en France, oui. Parce que je ne paierai que peut-être 300 euros de mutuelle et pas 5000 euros de mutuelle. Je paierai une assurance voiture certainement chère, hein, parce que les voitures de luxe, ça coûte cher, mais
Je ne pense pas que je paierais 100 000 euros l'année sur ma voiture de luxe. L'école de mes enfants, même si je les mettais en école privée, au grand max, ça me coûterait 5 000-6 000 euros par enfant l'année et non pas le mois. Je pense aussi les nourritures, bien évidemment, parce que nous, on fait les courses ici à Carrefour, pardon, les produits français, etc. C'est extrêmement cher. Pour vous donner une idée, c'est un camembert, c'est à 12 euros. Alors effectivement, là où on est gagnant, c'est que l'essence est moins chère à Dubaï et qu'il n'y a pas les impôts à Dubaï. On ne paye que 5% de taxes, etc. C'est vrai. C'est absolument pas négligeable. Et franchement, ça fait du bien à la gueule. Ce qui fait vraiment du bien à la gueule, pour être très honnête, toute personne n'arrivera à vous le dire aussi vrai et réel que moi, c'est qu'en réalité... Vous savez quoi, je vais continuer cette story sur mon Snap. Démaquillage, parce que je suis bien évidemment maquillée par contre, donc avec mon secret de démaquillant et avec des petites lingettes comme ceci. Donc là c'est complètement neuf, donc je vais pas me tronquer, je vais l'ouvrir parce que j'ai reçu mon colis aujourd'hui, donc je suis hyper contente. Hop, je mets donc mon lait visage sur le petit lingette et puis je commence par me démaquiller. Comme on peut voir, le démaquillant marche super bien et le fond de teint, c'est dégueu. Ma deuxième étape aujourd'hui sera donc le soin exfoliant doux qui fait usage de gommage à petits grains. Voilà, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, acné, eczéma, rougeur, sécheresse, tout ce qui agresse la peau nous fait super mal. Donc là, c'est vraiment des tout petits grains super fins qui vont venir gommer votre visage afin d'éliminer les impuretés, de pouvoir... ouvrir et rafraîchir les pores pour enfin après faire un masque pour que tout soit nickel et propre. C'est hyper important de prendre soin de sa peau pour éviter les catastrophes. Une fois votre soin exfoliant doux posé, vous prenez donc votre serviette ou je sais pas ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour l'enlever immédiatement, pas besoin de laisser poser parce que c'est un gommage. Donc comme vous pouvez voir, après le démaquillage, on fait le gommage. Donc ça c'est troisième étape ensuite après le gommage sera le lavage. Donc j'ai mis à l'intérieur de mon eau chaude mon savon de lait de chèvre qu'on va prendre comme ceci. Vous allez frotter dans vos mains et ça va faire un effet très mousseux, très crémeux. Vous allez pouvoir voir, c'est vraiment incroyable. C'est un savon de lait de chèvre, donc forcément très très naturel comme savon et qui vient laver le visage en profondeur. Donc ça s'utilise tous les jours, matin et soir, pour se laver le visage. Et ensuite ça s'utilise une à deux fois par semaine en usage de masque. Donc là, je savonne bien mon visage. Hop. Il faut bien savonner. Donc c'est le matin avant de vous maquiller, le soir après votre démaquillage. Et deux fois par semaine, vous allez le laisser poser comme ceci pendant 5. Quatrième étape, bien évidemment, vous reprenez un deuxième rondelet. Donc pas le même, bien évidemment. Et vous allez venir retirer donc votre masque. Si vous vous lavez le visage tout simplement, vous rincez dans l'évier. Si vous mettez un masque, pensez à enlever bien avec un tissu ou quelque chose pour que ce soit nickel chrome et que vous n'en laissiez pas du tout. Donc là, la peau est bien belle, bien fraîche. Vous reprenez une petite serviette sèche pour hop, sécher la peau comme ceci, comme ceci. Et ensuite, on va venir appliquer notre brume, donc le brume qui est tonique pour le visage. Donc ça réparer la peau. Ça rend le visage bien frais, ça resserre les pores dilatés et ça vous donne un vrai éclat. Dernière étape, c'est la crème précieuse pour moi. Pour d'autres, ça sera la crème sans huile qui est juste ici. C'est au choix. Moi, ça sera la crème précieuse et on vient hydrater sa peau.
Je mets un point d'honneur sur l'hydratation, les filles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles aujourd'hui ne s'hydratent pas assez la peau. C'est ça qu'on me demande toujours, mais t'as la peau parfaite. Et pourtant, j'ai une peau à problème. J'ai une peau vraiment qui fait beaucoup, beaucoup d'eczéma, qui fait beaucoup de sécheresse, mais pourtant, je m'hydrate à fond depuis que je suis toute petite. L'hydratation, c'est minimum 2 fois par jour. Si vous pouvez la faire 3 fois, faites-la 3 fois avant le maquillage. Et après, vous maquillez par-dessus, il n'y a pas de problème. Ça protège votre peau. Le soir, quand vous allez dormir, il n'y a rien de plus dégueulasse que les têtes d'oreiller. Sachez-le, on bave, on respire, enfin, c'est dégueulasse. Voilà, donc c'est vraiment d'hydrater sa peau parfaitement avant d'aller se coucher. Donc là, ma peau est nickel. J'ai pas utilisé le peeling cette fois-ci. Je vous l'utiliserai la prochaine fois. En tout cas, Peanut Secret, comme vous savez, je vous l'ai dit, c'est vendu dans toutes les pharmacies de France, reconnu et conseillé par les pharmaciens. Moi, en tant qu'influenceuse à problème de, enfin, à peau à problème, je vous le recommande fortement. J'utilise cette gamme depuis des années et elle ne fait que exceller et avoir de meilleurs résultats. C'est incroyable. Et aussi, je tiens à vous informer que c'est la meilleure gamme qui soit pour prévenir contre tout problème de peau. Donc si vous avez une peau parfaite, qu'elle soit grasse, sèche, peu importe, mais que vous n'avez pas de problème en particulier, vous allez adorer Peanut Secret parce que ça va vraiment faire une prévention contre tout problème éventuel. Sachez qu'aujourd'hui, je vous fais des ventes privilèges de chez Peanut Secret. Donc vous avez, écoutez bien, moins 40%. Sur le site de Peanut Secret, ça se passe ici. Je suis trop contente, c'est une très 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 grosse réduction chez Peanut Secret. Donc profitez-en avec mon code promo. Je vous mets le site et n'oubliez pas, la livraison est gratuite en France métropolitaine. Sinon pour le reste, vous pouvez quand même commander directement sur le site. Et pour tous les autres qui n'ont pas le temps ou qui ne peuvent pas commander en ligne, vous avez toutes les pharmacies. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce genre de story. Et j'espère... Il y a des travaux chez moi sur le site. Et bref, je vous en ferai plus comme ça.